Y a pas que dans le Gévaudan qu'on a de grandes dents taillées comme du silex. La bête de chez nous avait une fin de loup qu'aurait gobé un T-Rex. La bête faisait de sa tanière une vraie garçonnière pour soigner sa fervex. La tête, toutes sortes de migraines, les crises de la quarantaine, les bobos du cortex. Brave bête. Nos épouses convaincues lui sautèrent toutes dessus. Paraît que c'est un réflexe. Tout bête. Un penchant naturel pour le surnaturel, avec une rime en ex. Parfaite. Ce n'est pas une référence. Si la première dame de France trône parmi ses ex. Pouette, pouette. La, 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 la. Au nom de la République et de l'ordre public, on l'a mise à l'index. La bête. On l'a mise en cabane, sans une bonne femme. Rien que du subutex, pauvre bête. Bien qu'elle reçut chaque jour 1000 lettres d'amour, des photos, des kleenex, des miettes. Elle ne tint pas le coup, prit les jambes à son cou. Son accent circonflexe sur la tête. La bête s'est fait la belle et partie avec elle à cheval sur son solex à la conquête de l'Ouest. T'es mieux, hein? Ouais. Ah, t'es bien celle-là, non? Ah, demain, elle va être chambée, je crois. 300 ans, et puis je pense qu'ils sont top. Bah ouais, je suis content avec ça. Ah, c'est super. Ah, c'est cool, elle est bien, celle-là.